السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. Tout grandir pour Allah, celui qui fait de nous au privilège pour nous rassembler dans ce lacas aujourd'hui, nous proclame ce grandir, nous témoigne son unicité et nous déclare qu'il n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoigne que prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Allah son serviteur et Allah son messager. Dépend kalima qui nous fait lire, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nous appeler dans nos vies tous les jours pour développer une relation spéciale avant tout avec Allah subhanahu wa ta'ala et après avec ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa logique-là, l'événement important, nous capables de dire même indispensable, qui régulièrement nous réexamine niveau sans l'amour-là. Parce que plus pire quelque chose, plus pire poison pour l'amour, c'est la routine. Quand là, nous perdons le sens. Nous ne plus connaît qui fait, par exemple, le phénomène. Nous recours, nous sijda, vin mécanique. Nous ne plus connaît qui fait le travail d'arou de prophète. Oui, il y a bien prophète, parmi 124 000. L'invini, après l'infini, aller, un point, c'est tout. Plus pire poison. Pour l'amour, c'est la routine dans tout domaine. Qu'il y soit l'amour envers Allah, envers son prophète, envers nous, madame, nous, papa, nous, maman. C'est pour ça qu'à travers Man Arkan, à travers Namaz, à travers Rosa, à travers Hajj, nous revivons l'amour pour Allah. Nous redynamisons l'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de temps à autre, l'événement important qui nous fait nous-mêmes rappel. Qui dette qui nous est envers sa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'il fin fait pour nous? Qu'il fin réalise pour nous? Dans quelles conditions et en retour, qui, dans quelle façon nous pouvons exprimer nos gratitudes envers sa Rasoul? Capable, par là, dit monde autour de nous, un collègue de travail, un voisin pose une question: mais ton Rasoul, qui l'a fait, hein, Muhammad, je ne peux pas tout. Mohammed, messager de Dieu, mais qu'il vient réaliser? Est-ce qu'il y a un monument par là qu'il vient ranger, qui est capable de montrer qu'il sera sur là, qu'il y a un grand visionnaire, un grand bâtisseur, pareil comme un pharaon, zone qui est pyramide, Shah Jahan, il quitte Taj Mahal, Gustave Eiffel, il quitte un grand latour, la tour Eiffel, mais dis-moi, est-ce qu'il y a un latour comme ça, un monument, est-ce qu'il y a un palais, un château qui sera sur là, quitté? Au fait, nous ne trouvons aucun monument qui sera sur l'entité. Ce qui sera sur là, il vient quitte à l'humanité, il vient produire une nouvelle conscience, un nouveau cerveau, un nouveau équerre. C'est ça, réalisation, en bref, réalisation de sa prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il vient sans le cours de l'histoire. Quand il descend, 1420 années de cela, lit. Nous sommes capables de dire, du tout seul, l'in réussit sans l'orientation, l'histoire, l'humanité.
L'humanité qui fonce vers précipice. Ça la soule, l'invine sans sous trajectoire. L'invine dans un côté système djahiliya, un système, un mode de vie qui basait l'eau superstition, l'eau shirk, l'idolâtrie, domination d'imoun, l'eau d'imoun, l'injustice, paganisme. Lui, quand l'invine, l'in réussit, déracine ce système-là. Ce qui sera sur la pas fin faire, lui, pas fin faire une espèce de colmatage en couvre avec l'islam. Lui, pas fin pour faire un des arabes, pratique un des cultes, un des rites, un des jours dans l'année, tu pratiques tel rituel correct, ça même dit là, non. Ce qui est venu, il vient déraciner ce système djahiliya là, il vient remplacer par un autre mode de vie. Il vient recycler du monde. Recycler du monde. Pareil que moi, quand vous levez grand matin, vous trouvez dans Paul, beaucoup de monde qui fuit dans des vins, rôde bouteilles plastiques, rôde sac plastique 50 sous qui nous étaient. Je voudrais ramasser ça. Ramasser un vieux sac plastique qui nous étaient, vieille bouteille, tout plastique, ramasse tout cela. Envoyer ça dans l'usine pour écraser tout, refabriquer nouveaux matières en plastique. Appelle ça recycler plastique. Par exemple, comme ça, on a recyclage papier. Ben, des gens qui ramassent devant des usines, papier de la gazette, vieux livre qui aux enfants, ils étaient, vieux cahier, qui, l'école est finie, ils étaient, ramassent tout ce papier là, envoyer dans l'usine, craser, refabrique nouveau papier. Appelle ça recyclage papier. Exactement ce que ça sera sur l'envers. L'in avoir cela mis dans des usines l'humanité, l'in tient un ban arabe qui est plus bébête que du monde. L'in fait ça ban là, une bande véritable catalogue pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est sa parole, c'est sa travail, chef-d'œuvre signé Mohammed ibn Abdullah. L'invine, recycler conscience du monde, recycler l'équerre du monde, recycler cerveau du monde. Une bande arabe qui peut prendre plaisir dans enterrer ce tifi vivant. Quand il fait enterrer ce tifi, il vient dans la société, il t'appelle Stomazo, il dit, tu connais mon tifi, 4 ans. 5 ans là, mon récit, mon amène les autres, mon entier, les vivants. Vite raconte ça avec gloire. Ben les autres qui étaient avec admiration. Ça, niveau arabe là, ça. Ça, la soul là, il vient recycler son conscience. Il fallait comprendre qu'il donne un lichien qui soif des trois gouttes d'îlot ou capable de préparer ou cimer vers paradis. Il y a une société arabe qui est divisée, subdivisée, basée sur le préjugé, le racisme. Et à l'intérieur, il y a une tribu, à l'intérieur, il y a une tribu, il y a une sous-tribu, divisée, subdivisée dans une société hyper raciste. Ça, la soule, elle fait comprendre qu'il y a tout le monde égal. Qui ça, arabe, la peau blanche, l'igéblé, et que ça, l'esclave qui nous sort de l'Abyssinie, qui sort la peau noire, qui se sévé comme un raisin sec là, ils sont égal. Celui qui vient premier dans ma ville, il vient premier ça. Celui qui vient derrière, il fait un mariage de paillasson. L'égalité du monde. Il proclame dignité fondamentale chaque être humain, de par le fait qu'il est enfant Adam alayhi salam. Ça, Rasoul, il vient dans une société qui est cette quantité-là, nous capable de dire féroce. Une société, un man arabe, qui dans cette mentalité, psychologiquement, c'est sec. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam embrasse ce petit enfant. Un arabe interpellé. Arabe là, j'ai dit, oh Mohammed, moi j'ai 10 enfants, jamais je n'embrasse personne là-dedans moi. Ça lui montre où psychologie arabe. Parce que l'amour, tu considéré comme une faiblesse à l'époque-là. L'amour, où on embrasse un enfant, tu considéré comme un signe de faiblesse. Il montre comme si tu dirais, ou pas ces hommes. Parce que, on montre un signe d'amour. À Saban Djimoun là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une ancienne autre, la noblesse de l'amour. Un ban arabe qui prend plaisir dans fandissant, dans trans la gauche, frère, point oui, point non. Un samo saute d'un territoire, il rentre dans l'autre tribu sur le territoire. Ben là commence la guerre. J'ai la guerre, un an, deux ans, pendant 40 ans, j'ai la guerre. La guerre là transmet de génération en génération. Quand un papa peut mourir, il appelle souvent un garçon, il dit un seul, promets-moi un seul quelque chose pour continuer la guerre là. À l'origine, qui est arrivé? Un samo, il rentre dans notre territoire 40 ans d'ici là. Je la guerre, je translagose. En saban arabe là,
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne je valer pardon. Rasoul là, il vient produire l'amour, il vient produire compassion dans sa qualité légère, sec, qui est plus sec qui sa désir l'arabie là. C'est ça réalisation Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Proverbe bien assisé, il dit avec son compagnon, qui c'est là qui faut, qui c'est là qui vraiment faut. Nous nous connaissons, faut, c'est celui qui trappe sur l'adversaire, il est pilé. Le prophète dit non, celui qui faut, c'est pas celui qui trappe sur l'adversaire, il est pilé. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Celui qui faut, c'est celui qui est capable de contrôler lui-même dans la colère. Mais ça paraît chaud. Qui dit ça? C'est un nouveau vocabulaire, un nouveau concept, une nouvelle définition. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec son sahaba. Qui c'est là qui celui qui fait faillite dans nous? Qui c'est là qui fait faillite? Mal mouflis. Qui c'est qui fait faillite? Ya Rasulallah. Un quelqu'un qui fait faillite, c'est un quelqu'un qui paye ni dinar ni dirham, un quelqu'un qui qualifie son compte déficitaire, son casse infini, prophète Jano. Celui qui fait faillite dans ma communauté, c'est celui qui peut venir devant Allah avec namaz, avec rosa, avec sadaqa, mais c'est en même temps l'in batsana là, l'in zour l'autre là, l'in coquin droit sur travailler. Allah ta pour tirer depuis dans soban bon action pour rembourse, pour compense tout soban victime. En fin de compte, tout ce monde a une action finie. Prends ce monde victime, ce monde mauvais action, mettez l'eau sur le compte, les retrouver dans l'enfer. Qui était ça? Ça, c'est préparation à une nouvelle conscience. Création à une nouvelle équerre. À travers un nouveau terminus. C'est ça, effectivement. Par exemple, on a un dictionnaire Larousse, dictionnaire Robert, et le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, un mot, il commence à dire une autre définition. Un concept. Il commence à gagner une autre signification. Il amène un nouveau concept, une nouvelle terminologie, une nouvelle signification dans préparation sa conscience qui, à travers ça, il peut créer une civilisation qui va dominer l'histoire de l'humanité pendant prochaines 1000 années. C'est ça l'œuvre de Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous dit création et nouvelle conscience. Dans ça l'époque que le prophète descend là, il descend dans une société que peine à l'école, peine à la madrasa, peine à la librairie. À Saban Jimoun là, premier mot qui descend, qui lui transmet à autres, c'est Ikara. Il fait Saban Jimoun qui illettré, un ban bédouin féroce, un ban bédouin sec, qui peine à sentiment, qui la tête vide, remplie avec préjugés raciaux, tribal. Il peut amener une révolution au niveau de la tête. Il peut amener un véritable changement qui s'abandonne pour là pour une ambassadeur de la connaissance, un ambassadeur de la science. Comment pour créer un nouveau cerveau. Retirer dans ce cerveau-là tout ce qui est en termes de superstition, paganisme, idolâtrie, mythe, légende, libérer ce cerveau arabe-là. Et orienter vers quoi? Vers Iqra, vers lecture. Vers réflexion, réfléchir, penser, raisonner, méditer, faire l'esprit travail. Et il y a 700 versets dans le Coran qui, directement ou indirectement, peut pousser à la réflexion. C'est ça qui, effectivement, peut produire ce qu'on appelle Ummatul Ilm, la communauté de la science, qui vous dirige, qui, comme je dirais, pour, pas vous dirige, mais pour dominer l'histoire de l'humanité pendant les prochains 1000 ans. Et ça, l'élan que ça va sur l'un donné, il y a assez fort qui, bien vite, à peine 80 années, qui message là, il lance, nous vous trouvons en arabe, déjà, je suis au Pérou de l'Europe, je rentre dans l'Espagne. Là-bas, je te servis tout ce qui, ça va sur l'un donné comme directive. Je produis un de ban civilisation plus glorieuse qui finit dans l'eau, sa planète là. Quand on lit ça, partie de l'histoire là. Il fait gagner, l'équerre gagne une extra tranquillité, un guidi guidi en dedans. Quand vous lisez qui ban arabe dans l'Espagne, je ne servis pas pied 200 bananes avant ban européen. 200 bananes avant ban européen, ban musulman déjà fini qu'on servit pas pied. 600 bananes avant ban européen, dans l'Espagne musulmane, tu peux faire ban l'opération chirurgicale très très délicate dans l'Isier. Ça, c'est pas un scientiste, un
chercheur, ban médecin, ban, c'est sa révolution intellectuelle signée Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous gagnons au niveau ban fait, nous ne pouvons pas continuer même comme ça. Quand, non seulement de l'Espagne, l'Espagne, son capitale, c'était Cordou, qui en anglais c'est Cordoba, en français Cordou. C'était une place, c'était la capitale de l'Espagne. Quand les Européens viennent apprendre dans l'Espagne, à cette époque-là, la langue arabe, c'était la langue de la science et de la diplomatie. Pour un diplomate, il y a un poste, il faut dire qu'on arabe. La langue arabe. Viennent apprendre dans Caire, dans Damas, dans Bagdad, dans l'Espagne. L'arabe, nous redit, c'est le langage de la diplomatie. Et un savant qui s'appelle Ibn Nafis, plusieurs siècles avant qu'il y ait un Européen plus tard, William Harvey, pour le découvrir circulation 10 ans, déjà, dans son recherche, Ibn Nafis finit mentionner circulation 10 ans. Ça donne l'idée, l'avantage que musulmans sont arrivés. Ça, nous pouvons dire ça, l'élan que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa révolution au niveau mental, au niveau conscience, comment les rapports souffrent. En bout, quand nous guettons l'Espagne même, nous trouvons un petit détail. À l'apogée de ce, de la civilisation, dans l'Espagne, il y a 70 librairies. 70 librairies dans Cordou, pardon, la capitale de l'Espagne, 70 librairies. Dans chaque une librairie, il y a 500 000 livres. 500 000 livres. Alors qu'à cette époque-là, dans la France en entier, si ramasse tout livre qu'il y a, il n'y pas arrive 500 000. Ça, c'était un petit aperçu. Parce que c'est une injustice. C'est un mensonge qui m'a vu mettre devant aussi. Je me dis que dans 20 minutes, nous pouvons essayer de mettre un tableau réalisation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est juste une esquisse. C'est juste un aperçu. Ça rassure ce travail quand il est arrivé. En passant, quand nous avons l'Espagne toujours, Cordoue, à cette époque-là, il y a dans cet endroit-là 300. Bain public, hammam, man place que tout le monde prend ce bain. Moi, aujourd'hui, nous nous baignons, nous mettons nos linges, nous venons ici, Juma, il paraît simple, baigner. Mais ça sunna qui rassure une ancienne soban sahabala. Ça sunna prend un bain pour vendredi, au moins une fois par semaine, met un bon linge, met un petit parfum. Qui quantité, c'est une simple action qui en lui-même, c'est porteur de la civilisation. Ou vous réalisez quand vous pensez qu'il y a ça à l'époque-là, quand on peut dire le Moyen-Âge. À ça à l'époque-là, quand il y a 320 publics dans une capitale, dans l'Europe, je peux baigner une fois par banane. Une fois par banane, dans mois mai. Dans mois mai, c'était à l'époque que dans la case, les lames qui n'ont pas baignoire. Mais baignoire, mettre de l'eau chaude dans mois mai. Et tout le monde rentre là-dedans, baigne en place, dit le la reste en place. Premier chef de famille, baigne. Quand il est fini, son madame rentre dans le même bain, dans le même baignoire. Il est fini, dans l'endroit-là, dans la case-là, il y a 7 frères, 7 belles-sœurs, 42 petits-enfants. Tout rentré, un derrière l'autre. Des gens qui baignent, c'est mon petit baba. Mon petit baba qui baigne. Finalement, quand petit baba, il dit le la, il y a une cité noire qui peut être capable de payer du chibaba dans le baignoire. Là. C'est là-dedans qu'il y a une expression en français et en anglais aussi, là, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une expression qui dit qu'il rate l'essentiel, il y a une confusion de sur la tête. Ça, il prend naissance avec sa situation qui existe. Quand on baigne, un dimoun, des dimoun, 45 dimoun baignent dans le baignoire, quand le chibaba là, vous baignez une vincite en noir qui paraît si pas, il paye du là-dedans. Ça, en moi, mais, en moi, je. C'est des mois qu'on fait un voyage. C'est là qui nous gagne, Zéb. D'où l'île là, il baigne en mai, qui arrive en juin. Pour que ça le dire, vinaigre là, il prend un gros Zéb, marguerite, fleur rose, jasmin. Il y a juste pour couper ça le dire, transpiration là. C'était ça le Moyen-Âge. Quand Saban Dimoun là, il y a courage, il y a tout peu, il attaque musulmane dans Jérusalem, le croisé. Quand je tape avec musulmane, dans une rencontre, je te choque. Je te donne un Saban Dimoun qui sentit bon. Tu peux jamais nous joindre ça, un bon homme qui sentit bon et n'a pas offert aux autres. Parce que ça, c'est un bon homme qui sort de l'école Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je peux me baigner, je peux me parfumer, je peux me mettre un bon air, je peux me rendre agréable à l'humanité. Ça, il montre comment un saint petit sunna prend un bain, c'est l'hypothèse de la civilisation. Et ça, c'est travail
Au début, c'est un travail qui porte l'empreinte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amen, recycler l'humanité. Tiens, un ban arabe qui, dans déchubine l'humanité, recycler notre conscience, recycler notre cerveau, recycler notre liquide, faire donner notre ce qu'on appelle world leadership. C'est eux qui plus tard, c'est eux qui parlent, prépare terrain pour la renaissance. Si aujourd'hui, moins où, nous pouvons vivre dans le monde quand il y a autant de progrès technologiques, nous portables ou télévision, 52 pouces, paraboliques, satellites, les portent l'empreinte Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et bout en bout, à travers l'histoire, fin ena, ben 10 monde qui est suffisamment objectif et honnête pour reconnaître sa réalité là. Voilà, en gros, ça qui l'humanité les doit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, les points erreur pour nous croire que ce travail-là, il fait avec facilité. Comme Rasoul descend, il donne telle directive, Manjimoun là, il accepte à droite, à gauche. Non. C'est un lalit qui vraiment, c'est un lalit que nous capables de dire, quand il y a un bizarre fan disant. Ce Rasoul-là, il souffre bout en bout. Chaque jour, il y a la faim, il y a soif, il y a un batté, ce disant est tombé. Zis, pour qu'il soit capable d'amener ce message-là. Un message qui est au centre, « La ilaha illallah » qui est un seul Rab. Une civilisation qui est orientée, qui est centrée dans sa notion de tawhid. À partir de là, développe, prépare sa terrain-là, fait que sa terre-là vienne une place côté de progrès, de la prospérité, de la paix, de l'harmonie pour que le monde vive bien. Base-là, fin c'était par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec toute difficulté, vous pouvez imaginer, qu'il fasse ça, l'opposition qu'il tient là, pour faire face, c'est qu'il a dans une bande de monde, par exemple, qui a jusqu'à pour masser les fois, son compagnon crie. Imaginez ça, l'opposition qui sera sur là, en face de lui, une bande de monde, qui même dans la mort, je trouve moyen pour masser les fois, son compagnon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on entend dire que Rasoul fait hijra, si tant je tiens la haine contre lui, je dis nous offrir sans un mot à celui qui amène Mohammed sur la tête, mort ou vif, sans un mot. Oui, imaginez qu'il y a aujourd'hui, si vous venez dire, on amène, vous donne toi 100 béguin mouet, X6, si tu réussis à amener tel dimon. Imaginez un ça niveau la haine, qui quantité une bizarre souffert, qui quantité une bizarre faire face à persécution, violence, pour capable amener sa réforme là. Ce n'est pas si facile. Mais après ça, après 18 ans, nous trouvons ça Rasoul là, il commence à recueillir, il commence à récolter ce man dividende. L'islam commence à rentrer partout, prend moyenne. Le Kadjan prend l'Afrique du Nord, net, bout en bout, man tribu commence à rentrer dans l'islam, commence à accumuler man conquête, man victoire, l'eau victoire. Pays là même commence à gagner stabilité, il commence à gagner un progrès économique. Dans Madina, commence à avoir un début, nous capable de dire prospérité. À ce moment-là, c'est le moment plus critique pour nous avoir sincérité d'un prophète. Parce que tout le monde qui fait des efforts, en retour, il y a quelque chose. Pour ça, Rasoul là, il est fatigué, grand matin tantôt. Il est la fin, il est l'embargo, il est batté, il est. Puis il dit que proche après 18 ans, il retrouve lui à ce là pour récolter ce dividende de ce effort. À ce moment-là, Rode Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après 18 ans, où vous trouvez même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était au début de sa mission, avec toujours un badjou rempli en pièces, avec un ventre qui bien souvent, plus souvent, les vides qu'il remplit. Jusqu'à ce que madame dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Jamais il mange un bon petit pain cram, qui est bien cuit, qui est raffiné, jusqu'à qu'il y arrive tout sur l'amour. Dans l'opulence, dans l'abondance, quand là il arrive pour récolter ce dividende, outre au lit, ce ventre vide, ce badjou rapiécé, il peut dormir loin de matelas qui fait affaire tam, qui est 6 ans, les gros chiens qui liquident ban gros mort l'eau sur les dos. Les Omar radiallahu anhu, ya Rasulallah, comme ça, ou un prophète d'Allah d'un tel état, alors ce qui ban un grand empereur romain, PSP juif, tu ban privilège, sa réponse qui lui dit, et Omar, est-ce que tu n'es pas satisfait qu'il donne à pour autres, à Akhirat pour nous? On va le Khattab dans ça, il y a un pire. Ya Rasulallah, mais si nous donne où? Si nous offrons où? Un matelas qui est un petit peu mou, qui est un petit peu confortable.
Réponse à Rasoulallah, « Ma ana fi dunya illa karakibin. » Oh Omar, qui m'a été dans cette dunya là moi? À part un simple voyageur. Ça, c'est la logique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui m'a été où? Avec nous, l'esprit matériel cantésien, nous logique jamais pour arriver à ce niveau-là. Un Rasoul qui pendant 18 bananes, ya Rasoulallah, explique-moi sa logique-là. Pendant 18 bananes, quand il y a pour gagner batté, ou tu es toujours là. Quand il y a pour souffrir la faim, ou tu es toujours là. Quand il y a pour souffrir l'embargo, ou tu es toujours là. Quand il y a pour gagner saigner, ou tu es toujours là. Et quand il y a pour récolter des bénéfices, ou tourne les dos. Et doit qu'il vous fasse Allahumma hayyini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumrati al-masakin. Oh Allah, fais-moi vivre comme un pauvre, fais-moi mourir dans la pauvreté et fais-moi relever dans le Qiyamah parmi les pauvres. Ça, c'est logique. C'est un rasoul qui est arrivé. Et c'est à partir de là qu'Allah ta descend sa bouche dans Sura 68, verset numéro 4, quand il dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Très certainement, ô Muhammad, toi, tu finis atteindre un niveau de perfectionnement moral très avancé. Ce niveau-là, c'est juste un rasoul qui est arrivé ça. Un niveau où tu es capable de tourner les doigts avec Dunia après qu'on fait sacrifice. Quand on trouve qu'il y a un effort pour rapporter partout et où tourne les doigts, ou réussir ou dire qu'Allah lui suffit pour moi. Ça, c'est authenticité. Existe un rasoul qui est arrivé. Ça, c'est un niveau qui existe. Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui arrive à ce niveau-là. Et nous, moi, où nous pouvons bien tous les jours nous remercier, Ya Rab, nous remercier toi qui t'offre de nos privilèges pour nous former partie comme un disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un privilège qui même, ben rasoul, si c'est un rasoul, il demande peine gagnée. Mais moi, où dans Valépito, dans Kanyodov, nous gagnons. Ça, c'est faveur. Une bonté infinie qu'Allah fait de nous, qui jamais nous ne sommes capables de remercier Allah. Et en même temps, nous sommes capables de montrer nous dignes pour venir un disciple de sa Rasoul. Je vous dis ceci, je vous remercie Allah et vous remercie. Et les sœurs des musulmans, vous vous remerciez, vous vous remerciez, vous vous remerciez, vous vous remerciez, vous vous Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ma ba'd. Donc ce que nous avons dit dans les dernières 20 minutes, c'est un tiers-perçu travail, réalisation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme manière, en gros, c'est un rasoul qui vient recycler du monde, vient créer une nouvelle conscience, un nouveau liqueur, un nouveau cerveau, basé sur sa notion de tawhid, qui la ilaha illallah, paye aucun bon Dieu, excepté Allah. Pour faire ça, vient faire face à une adversité incroyable. En même temps, ça qui nous trouve dans ce parcours même est une trace de son authenticité. Comment c'est un vrai rasoul. C'est un niveau quand il est arrivé, quand Allah te la descend sa veste, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Et très certainement, toi, tu finis atteindre une véritable noblesse dans le caractère. C'est un certificat, absolument un certificat qu'Allah te donne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous disons aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous causent ISO 9000, ISO 2000. Ça, c'est un certificat de l'authenticité qu'Allah donne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais moins où, en même temps, qui nous bise et n'a sa fierté d'être un disciple de sa Rasoul-là, nous faisons quand même montrer nous à la hauteur de sa faveur qu'elle nous fait de nous. Et quand nous pouvons dire, réfléchir à sa Rasoul-là, son parcours, son réalisation, en même temps, nous faisons capable de dire, qui nous fait avec l'héritage de sa Rasoul-là? Est-ce qu'il nous fait justice à sa héritage-là? Un Rasoul qui nous trimait, nous transpirait pour lui produire un ummat, pour lui produire un ummat, côté de la mohabbat, côté de la fraternité. Aujourd'hui, bout en bout, nous trouvons aussi dans nos matins coupés, nous ban, ça nous ban, ça. Ça pas nous ban, ça. Il y a de l'actualité. Où vous trouvez ce qui paraît, nous cas dire, intéressant ou mystérieux, qui vous trouvez ça les résume beaucoup, beaucoup ban items qui dominent l'actualité ces jours-ci. Dans la réforme électorale, et dans le même discours, nous ban contre nous ban. Dans le match dans l'Égypte, 74 morts. Musulman contre musulman, 22 boules, galbeg, une boule. Les matchs finissent 74 morts, 1500 blessés. Nous ban. Aujourd'hui, moi, c'est triste. Ça qui met, ça qui, en même temps, nous faisons réfléchir au grand des Rasoul. Nous faisons capables
pose-nous question, moi, est-ce qui me paiera une justice à travail qui sera sur l'enfer? Est-ce qui me paiera une justice à l'héritage qui sera sur l'iniquité? Un point que nous guettons, c'est un umma qui sera sur l'iniquité, uni avec Mohammed, avec fraternité. Mais ce que nous est là, et ce qui tout le temps nous vous êtes capable de dire, c'est qu'il rend justice à sa rassoule, c'est retourner dans son enseignement. Mettre-le comme un acte obligatoire qui nous tout donne la case de besoin d'un livre aussi de ton Nabi. Un livre que nous apprenons la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre sur la vie, lire sur la vie, où vous trouvez une certaine phase où passe une période d'étonnement. Après étonnement, vous venez d'admiration. Admiration vient émerveillement. Après émerveillement, vous venez l'amour. De la part où même vous dire, oh Allah, envoie la paix et bénédiction de notre prophète, de sa prophète, là, des milliards de fois. Parce qu'il y a arabe, mon pas remercier toi jamais qui t'a fait choisir moi pour me venir un disciple de Sarasoula. Sarasoula, il est trop grand, il est trop sublime, il est trop raffiné pour une créature remplie de péché comme moi. Mais ce que nous ne sommes capables de faire, c'est que rendre justice à la soule, c'est étudier sur la vie. Et demande à Allah mettre dans mon équerre l'amour pour toi et l'amour vrai, authentique pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou Allah fait ma papa et vient sur l'enseignement. Parce que ça la soule, elle est venue, pas pour qui l'on nom nous élimine la force, non. Mais l'on sonna nous élimine nous l'équerre. C'est ça le travail, ça la soule. Ce qui pas élimine pied la force une fois par année, mais élimine moléquier avec ce sunna 365 le 365 jours. Défi pour moi, c'est qu'il fait chaque jour dans cette année-là un yaoumoun nabi. Faire qu'il me célébrer sa rasoula chaque jour de mon vie. Pas juste vendredi, midi à désert, lundi, jusqu'à dimanche, janvier, jusqu'à décembre, me célébrer, me rendre hommage à sa rasoula. En même temps, je vais l'humilité pour dire, Yallah, jamais, je vais réussir à montrer moi digne pour venir disciple de sa rasoula. Pardonne-nous, faire qu'il me réussir à rendre hommage à sa rasoula jusqu'à la fin des temps. Et en même temps faire que nous madame, nos enfants, dans nos entourages, nous réussissons à développer l'amour pour sa rasoula. Nous demandons à qu'Allah fait que nous tous ici, nous venons un vrai disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que nous réussissons à célébrer sa rasoula tous les jours dans nos vies. Que nous réussissons à faire chaque jour dans nos vies, venir yaoumoun nabi. Que nous réussissons à un véritable dimon qui pour éliminer nous les cœurs avec l'enseignement, avec sunna, avec directive qui sera sur l'iniquité. Qui nous réussit vivre dans son ummat, nous réussit mourir dans son ummat et nous relever dans Jannat al-Firdaus en son compagnie dans son ummat, inshallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika Muhammad alfa alfa marra. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة